Bonjour, je m'appelle Louis Thomas et aujourd'hui je vais vous présenter mon fable livre que j'ai choisi pour le BookTube. Ce livre s'appelle Les vieux livres sont dangereux, La maison d'édition est la courte échelle, La collection est la collection mort et l'auteur est François Le Gravel. En gros, l'histoire c'est que Mathieu reçut un travail à son école. Il doit aller nettoyer la poussière dans les livres sur les étagères dans la cave de son école. Mathieu le fait et c'est pendant les fins de semaine, donc il y va le samedi matin et commença le travail. La personne qui lui a proposé le travail, qui est le bibliothécaire, lui dit qu'il va revenir à midi avec un sandwich. Mathieu commença son travail et au bout de quelques heures, il regarde l'heure car il commence à avoir soif et il a hâte que le monsieur revienne. Il regarde, il est rendu 14h30. À partir de ce moment, Mathieu commence à stresser. Dans ce livre, ça va illustrer les moyens que Mathieu va utiliser pour s'échapper de la cave. Et on va voir si tout ça sera en vain ou non. J'aime bien le style que l'auteur a mis au livre, de horreur, mais pas trop horreur non plus, pour que ça fasse peur. Ensuite, je m'identifie bien à Mathieu, car il est ingénieux pour trouver plein de moyens. Et moi aussi, je suis très ingénieux. Finalement, j'aime bien la manière que le livre est fait, car quand Mathieu est à la lumière, les pages sont en blanc et l'écriture est en noir. Mais quand il est dans le noir, les pages sont en noir et l'écriture est blanche. Finalement, pour tout vous dire, je vous conseille le livre, car moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Et j'espère que vous aussi, vous allez adorer la lecture. Merci de m'avoir écouté et bonne lecture!